Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'Info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et polis. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Très urgent au Sénégal ce matin, le président Ousmane Sonko arrêté à Dakar. Ce dimanche, alors qu'il se rendait à sa convocation dans le cadre d'une plainte pour trouble à l'ordre public, l'opposant a été arrêté et placé en garde à vue dans cet après-midi. La participation à une manifestation non autorisée. L'opposant Ousmane Sonko a été arrêté par des éléments des forces de l'ordre pour trouble à l'ordre public, alors que son convoi se trouvait dans le quartier de Memos à Dakar, a annoncé l'un de ses avocats à Jeune Afrique. L'information a été confirmée également par un cadre du PASDEF, le parti du député. Il a ensuite été conduit dans les locaux de la section de recherche de Colobane. Ousmane Sonko sera présenté devant le juge pour n'avoir pas répondu à la convocation, a affirmé l'un de ses membres de son équipe de défense. Ses avocats l'ont rejoint en début d'après-midi à la section de recherche de Colobane, où l'opposant a été placé en garde à vue par les gendarmes. En plus de l'information de trouble à l'ordre public, Ousmane Sonko est également accusé de participation à une manifestation interdite. Le député avait quitté son domicile en début de matinée. Escorté par une foule de partisans, un important dispositif avait été déployé tôt le matin au alentour du palais de justice vers 10h. Le convoi de l'opposant a été bloqué par les autorités et des affrontements sporadiques ont opposé pendant qu'une partie de la journée, les forces de l'ordre à des partisans de Sonko accusés et le président Ousmane Sonko sera incarcéré. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.